Быстрая атака, фирменная у Лиля. И Коне передача на Дэвида, удары. Сфер, который не оправдывает тех денег, вложит. Просто расцвел в 21-м календарном году. Yo les Marieux. Yo les Marieux, bonsoir à tous. Mais oui les gars, ils l'ont fait, le PSG a dit adieu au titre. Et ouais les gars, je vous l'avais dit. Et Lille, franchement, ils ont fait un grand pas vers le titre. C'est mérité, parce qu'au vu de leur saison et des prestations en fait, qu'ils font depuis quelques temps, pour moi, c'est mérité. Bon, le PSG, vous reste plus que la Ligue des Champions, mais contre le Bayern, vous allez vous faire fracasser. Et ouais, bah, bravo à Christophe Galtier et ses hommes. Donc du coup, pour moi, c'est mérité cette victoire. À mon avis, ils ont fait un grand pas vers le titre. Et voilà, il ne faut plus qu'ils fassent d'erreurs, en fait, parce qu'il y a des matchs, notamment le match d'avant... Ils ont fait n'importe quoi, ils auraient dû gagner à domicile. Parce que là, en fait, ils auraient pu prendre le large. Là, c'est vraiment dommage, en fait, tu vois. Parce que contre Paris, il ne faut pas... Comment dire, faut pas leur laisser des points. Parce que dès qu'ils vont gagner, ils vont plus s'arrêter, tu vois. Et c'est ça. Et je pense que c'est mérité au vu de leur saison, tu vois. Galtier, il a fait du bon travail. Félicitations. Mais après, c'est pas fini. La route est longue. Hein, donc, il reste encore des matchs. Tant que la saison n'est pas terminée, tant que le titre n'est pas acquis, rien n'est encore joué. Mais donc le PSG, donc déjà, ils ont fait une défaite, ça tombe mal en fait, avant le Bayern, parce que pour leur confiance, c'est un da. Parce que si tu as une défaite avant un match de Ligue des Champions, là c'est chaud, là, parce qu'ils n'auront plus beaucoup de confiance. Donc du coup, on verra ce que ça va donner. Pour moi, le Bayern, ils vont gagner, même s'il y a Lewandowski qui est blessé. C'est pas grave, les gars. Tu vois, c'est pas parce qu'un joueur est blessé que l'équipe, ils vont pas gagner. C'est pas. Le foot, ça se joue à 11, les gars. 11 contre 11, et non pas 1 contre 11. Voilà. Bah, dites-moi si vous trouvez que Lille va gagner ou si vous pensez que Lille va gagner le titre. Ah ouais, il y a Monaco aussi qui reviennent. Laisse tomber. 4-0. Pour moi, en fait, ces dernières semaines, l'équipe la plus régulière, en fait, c'est Monaco. Tu vois, même au niveau du jeu, tout ça, ils font du bon jeu. Franchement, c'est un truc de fou. Il fait des bons taf, l'entraîneur de Monaco. Moi, je dis chapeau. Ça a pris du temps, mais la mayonnaise a bien pris, tu vois. Donc, du coup, là, défensivement, c'est solide. Offensivement, ça joue bien au ballon. Et en plus, au milieu de terrain, ça, en fait, dès qu'il y a perte de ballon, tout le monde attaque. Donc, du coup, voilà, quoi. Moi, je trouve que les deux équipes, en fait, qui sont en pleine forme en ce moment en Ligue 1, c'est l'AS Monaco et Lille. Donc, voilà, Lille, je pense que là, c'est bien parti pour eux, là. C'est carré. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On est ensemble, loulou. En plus, il y avait toute l'équipe, tu vois. Il y avait Neymar, Di Maria, Mbappé, Moïse Kine. Là, il n'y a plus d'excuses, là, tu vois. Donc, voilà. Là, il ne faut pas dire, ouais, il manquait des joueurs. Voilà, il y avait toute l'équipe. Vous avez perdu contre Lille, donc voilà. Allez, le LOSC. Elle arrive concentrée. C'est plus Mbappé, c'était Mbappé sur le terrain. Tu sais, quand il n'y a pas d'espace, on ne le voit plus. Neymar en a marre. Mbappé va se barrer, les gars, vous allez voir. Il va se barrer, Mbappé. Parce qu'il en a marre d'échouer.